Ouais, j'entends pas les rageux. Vas-y, on va rigoler, go cheerlist des armes maintenant là. Ce que j'allais dire, on va profiter pendant que vous êtes là, les gars. Je sens que vous êtes chaud là. Alors, moi, les armes, je suis. Après, les armes, en vrai, c'est dur à faire une cheerlist, non? Parce qu'il faut tout de toute façon. Non, c'est pas ah, pour crafter, monter, ou on part du principe, genre le premier à monter. Après, ça dépend. C'est les priorités, je pense, les armes, la cheerlist. Ouais, je suis ok. Déjà, une chose à savoir, je pense. Et des dagues ténèbres, c'est tout. C'est les 3 meilleurs. Une chose que tout le monde doit savoir directement, sniper, tu le mets en god. Voilà. Oui. Devait se faire nerf, ouais. Ça a même pas marché. Non, je sais pas s'ils vont nerf. Il y avait la dague aussi poison, qu'ils vont nerf. Est-ce que vous savez si c'est une erreur ou s'ils vont le renerf plus tard? Ça vous va, god, S, A et genre les dernières armes à monter? Ouais. Ouais, après tu vois ta liste, comment elle est faite de gauche à droite? C'est, on va dire, les trois premières armes, c'est bon. Tu peux les mettre directement en gauche. Je pense que tu peux mettre le bouc aussi est craqué. Hein. Je mettrais pas j'avoue, le boucard aussi, il est craqué. Si, la fit, elle est totalement pétée quand tu maintiens le bouton. Ouais. Les barres, tu les exploses, les barres de boss. Je sais pas s'il la mettra en gauche pour ça. La fond, tu penses? Si. Surtout, elle est compatible avec le katana. Tu joues katana et faux. Ouais, ouais. Le katana, il booste la faux. Et derrière, tu fais 12 à 14 barres sur le boss, mec. Aucune arme ne fait ça. Même le book, il fait pas ça. La moon, tu fais ça. Avec les buffs, etc. Tu fais. Attendez, on va faire un peu. Toujours les dagues. Les dagues, vous les mettez en god aussi? Les dagues, ouais, les dagues. Tu peux les mettre en god aussi, ouais. C'est la meilleure arme après le katana. Pour moi, il y a 4 SSR en god. Ah, mais en fait, si t'as le katana, les dagues, tu les joues pas, si? Tu les joues. Le katana va te booster une des deux autres armes, ça dépend laquelle que t'as. Ah, mais imagine, t'as les trois. Ouais. En gros, le katana, il va te donner du taux critique, dégâts critiques. Ça, c'est. Ça dépendra en fait de tes armes. Voilà. Après, si t'as la Moon Shadow avec 3 constellations. Genre tu vas forcément la jouer parce qu'il y a trop de boost en plus avec, c'est une dinguerie. Que la faux en fait t'en donne 2 gratuites et puis du coup c'est genre, super simple de la monter. C'est énorme DPS donc forcément tu vas vite la jouer et en vrai elle est super forte. Mais à partir du moment où t'as assez de doublons sur la Moon Shadow, tu la joues. Ouais, l'avantage de la faux c'est qu'à partir de la faux 3... En C0 non, je pense que c'est la faux qui est devant. Après, en C0, c'est derrière, ouais. Même en C1, mais après, quand tu montes en Edelon, ouais. C'est C3. Midrose, il dit que c'est C3. C3, c'est comme la faux. C3, en fait, quand tu mets tes coups, tu regardes de la vie. Donc, elle devient plus intéressante, pareil, ouais. pour la faux. Ok. Le livre haut. God. Le livre haut, tu peux le mettre en God aussi. Hein. Franchement, il est totalement pété. C'est quoi God, c'est pour le Cerber, c'est ça? Les C5, ouais. C'est nard. Non, pas pour les loups. Pas que pour ça. Pour les loups. Pour tout le jeu. Pour les deux loups. Pour okay. Tout, en fait. Ouais, pour les freeze. En fait, tu freezes et t'as du damage output en sortie de freeze. Donc, en fait, tu freezes, tu ulti et t'as 10% en plus. Et t'as pas de constellation en plus. T'as 10% de dégâts additionnels qui se rajoutent de ce que t'as mis avec ton ulti en sortie de freeze. Donc, en fait, ça augmente encore plus tes dégâts d'ulti. Quoi. Et en plus c'est de ça, tu qu'il faut focus, enfin, qu'il faut monter haut en étoile aussi. Ouais, 5 étoiles, tu défonces le jeu, littéralement. C'est n'importe quoi. Ouais. Après même, c'est zéro, elle est... Dis-toi, je joue... J'ai faux katana et book C5. Et ben, pour le power of destruction, je joue katana et book, je joue même pas la faux. Et j'ai des plus gros dégâts. Ouais. En plus, la faux 5 étoiles, c'est pas trop contraignant, le 15% de dégâts en plus, là ou... Il y a un truc comme ça, je crois. Oh, on va plus chercher à faire des... Ça se ressent pas. Ouais, tu vas non. Faire 15% de dégâts... Tu fais 15%, ouais, ça peut être trop bon. Si t'es un ski, ça se passe bien. Ouais. Constellation 5. C'est un jeu de doublon, ouais. Ah bah c'est le but des catch-up. Ok, bah non, après les armes... Par contre, c'est la prochaine arme, tu peux la mettre en last. Hein. C'est une des plus grosses merdes. Il faut l'avoir en A3 et elle est super forte. Mais en A3 seulement. L'épée. Ouais, mais après, problème, ouais, mais c'est ça le problème. Ouais, l'esprit pas du principe, ouais. En vrai, Queen... T'es obligé de faire un contre. Moi, je la mets en S quand même.
Parce pense que tu peux mettre un tiers qui est armes des persos. Parce que toutes les armes des persos, tu les mets dedans, de toute façon, c'est leurs armes et puis c'est tout. Quoi. Non, mais il y a des priorités sur les armes de perso à mon... Ouais, c'est pour ça, tu vois. Genre, CO, c'est la première arme à prendre, non? De ce que j'ai compris. CO et Cha, c'est les premiers. Ouais, c'est CO, Cha et Chai. Ouais, en fait, faudrait se dire que c'est une tier list dans l'ordre des armes qu'il faut obtenir, peut-être. Ce serait peut-être mieux, non? Bah pour les armes de Zeng, c'est les meilleures, et les armes des Hunters, c'est les priorités à craft en premier. Ouais, c'est ça. Au pire, tu fais une ligne Hunter dans la tier list où tu mets les armes des Hunters, mais dans l'ordre à craft. Ah, ça me paraît pas mal. Bah, de toute façon, en vrai, à part. Ouais, après, là, il reste que des armes de Hunter, là, de toute façon, non Non, à part des armes de CO, là, par exemple, l'épée bleue, ouais. C'est Zeng, je veux dire, pas CO. L'épée bleue, le Gain, à gauche, la Vulcaine. Première et troisième. Vulcaine, ouais. Et quatrième. T'as les 2, 3, 4 là. T'as les 4 premières là. Ouais, les 3 premières c'est. Ouais, voilà. Ah oui, celle-là, ok. Non, celle-là, non. Celle-là, ça fait parler. Elle est pas, l'épée de vent, elle est pas bonne. Hein. Ouais, non, en gros, ce que je veux dire. Putain, attends, en vrai, c'est compliqué, mais. On va faire Jean. Premier. Jean ou. Genre, en gros, là, les 4 duos, c'est vraiment les celles qu'il faut avoir à tout prix. Celle-là, c'est celle qu'il faut avoir. À tout prix, ouais. Quand t'as pas de chance. Et là, c'est Hunter. Bah, Gun est quand même devant les deux autres. Hein. Celle-là, je pense, la comme deuxième ligne, c'est celle où t'as besoin de doublons pour qu'elle soit viable vraiment. Ouais, ouais, okay. Mais le problème, ouais, voilà, tu vois, alors que par exemple, le Gun en light. Mais le Gun aussi, t'as besoin de doublons. T'as besoin de doublons. Pour le break, même sans à 5, le truc stack infini à 16%, si. T'as besoin de. C'est impossible de faire une tier list Weapon en vrai. Mais Weapon, c'est la merde. Après, ils sont tous bien en soi, c'est juste les spells qui changent vite fait, mais les dégâts après, c'est la même chose. Ouais, parce qu'en fait. Ouais, en gros, ce serait comme ça. Genre, en gros, là, ce serait les armes à crafter en première. Enfin, à avoir en première, c'est du coup, c'est au. Je sais plus qui là. Et Il y a pas celle de Cha, tu as mis CO et Ming. Ouais, là, il y a pas celle de Cha. Pas celle de. Ça fait Ming. Ouais. Au pire, prends l'épée bleue en bas à droite. Tu prends l'épée bleue en bas à droite. Celle-là, c'est celle de Cha. Voilà, les. Ah, elle est là ou là? Les gens qui vont regarder la fin de la vidéo, ils vont pas comprendre. Non, c'est CO en premier, non? Ah bon, bref. Les gens, vous allez rien capter, force à vous, mais lâchez le pouce bleu. Après, Cha, il la donne deux fois l'arme, donc. Ouais, c'est vrai, putain, ouais. Je peux même pas crafter une tellement je l'ai trop vite. Faut quand même la mettre. Vous serez comme ça ? Il faut la mettre, automatiquement. Moi je l'ai juste avec la 5. Choi, c'est Hunter 1. La bague. La bague. Ah, Choi, c'est 1 aussi ? Ouais, c'est super forte. C'est la plus importante, quasiment. En plus, ça rajoute une def réduite qui est vraiment pas mal. L'arme de Emma, tu peux la baisser. Ah ouais ? Ouais, parce que en soi le bonus c'est pas incroyable comparé aux autres. Si tu les mets toutes au même niveau. Parce que moi je suis parti du principe, c'est que vu qu'Ema c'est un perso qu'il faut avoir, du coup l'arme faut l'avoir aussi pour. Bah il faut avoir l'arme, mais en utilité sur le en perso, fait, le truc elle est pas si intéressante que ça. Genre, ah, c'est trop elle compliqué. Est bien parce que le perso est bien, mais après. Enfin, c'est vraiment juste parce que tu veux maxer le perso. Après, c'est pas le meilleur bonus. Ouais, ouais, c'est trop compliqué de tirer liste arme. C'est FF. Mais ouais, ok. Allez, on se fait les armes bleues. Oh non, mais par contre, les armes SR, il y en a à mettre. Oui, c'est vrai que le sniper. Les armes SR, il y en a des bonnes, ouais. Il y a le sniper, Sniper, tu peux le mettre en Hunter 1 direct. Merde, dis-le. Voilà. Sniper. Et deuxième ligne, troisième. Ah oui, là. Troisième, deuxième ligne. Du coup, il serait là. Et le nerf, ça l'a pas trop nerfé au final? Bah, ça l'a pas touché du tout en fait. Ça a rien changé. Sauf que c'est Hunter. Ah non, c'est pour ça. Non, c'est Jin. Et l'arc, tu peux le mettre en premier dans la deuxième ligne. Ah oui, celui-là, là. L'arc light. L'arc lumière. T'as l'arc et t'as la boule d'Avaris aussi qui va derrière. L'arc lumière et l'arc lumière est là aussi. J'aurais bougé Huntsman devant en Demon Souls. La lance lumière, elle est ultra utile aussi. Elle là, non ? Non, la quatrième dans la première liste. Voilà. Celle-là aussi, elle est balèze. Tu peux le mettre dans la deuxième ligne avec Jinwoo. Et l'orbe d'Avaris, le truc. Ouais, l'orbe d'Avaris, voilà. Après, le reste. Après, le problème, c'est que la dague haut, elle a été nerf. La troisième, on peut la mettre. La dague haut, t'aurais pu la mettre carrément en god, mais elle a été nerf. C'est dommage. Ouais. Ok. Épée lumière, Zorka me dit.
Paix lumière. Celle-là, Zorka. Après non, je pense que ça suffit, hein. Après il n'y a plus besoin de reste. L'épée, t'as déjà l'arc, le Huntsman et la lance. Ouais, t'as déjà les deux, ça sert à rien, elle n'a pas d'utilité. À part après, si moi, vraiment par contre, la lance, côté, mais... la lance pro, je l'ai pas testé, je sais pas ce qu'elle donne. Le bon point de l'épée, c'est qu'il la donne plusieurs fois au début du jeu. Du coup, t'as des doublons assez vite. Mais après, sans plus. En free to play, ça peut être pourquoi pas, mais sans plus. Bouc SR, je préfère sur perso sur Emma. Bouc SR. Ah, celui-là, là, sur Emma. Je sais pas. Les armes SR, ouais, c'est... elles sont bien, c'est parce que tu les... t'as vite les 10 doublons dessus. Du coup, genre, tu peux avoir super les vite doublons, le 15% de stats. Ouais, en fait, ce qui est bien pour Emma et CO, par exemple, si t'as pas leur arme, tu vas chercher un C10 et en fait, tu vas gruger avec le HP 10%. Ça va te booster tes stats en fait. Ok. C'est comme ça que tu peux gruger un petit peu. Et les gens ils vont rien comprendre la tierce des armes, mais c'est oui, c'est impossible à faire. Par contre, pourquoi il y a l'épée bleue R en... Il est même pas sur le tube, il est là même. Pas compris. C'est l'arme de Shay. Imagine que c'est l'arme de Shay, ok, parce qu'ils l'ont pas mis, elle n'est pas encore dans les tieristes. Même plus. Ah ok. S'il y en a qui regardent la vidéo sans son, il va la monter, il va se dire c'est quoi ce bordel. Qu'est-ce que c'est que ça là. Je vais prendre des pouces rouges quoi. Ok, bah voilà, je crois que c'est bon. Magnifique, 1h20, let's go. Bon bah merci les gars. Avec plaisir. C'était plutôt simple. À part le bike. Ouais, le bike il a énervé. C'est tabou, bike. Tu veux pas faire une tierlist des gates, non? Ah, je j'abandonne là. Faire une tierlist des artefacts aussi. Putain, les stuffs. Non, les artefacts, laisse tomber. Non, ça c'est trop de la merde. Ça. Ah, c'est la merde totale. Déjà les stuffs, tout à l'heure, je voulais stuffer mes persos et les gens ils étaient pas d'accord déjà. Entre cuir ou dope sacrifice. Ouais. Bah ça dépend en fait. Tu fais cuir partout. Au début en fait, c'est compliqué. Moi, j'ai fait 2-2. Hein. C'est vrai qu'il y a du cuir de partout, j'ai l'impression. Ouais. Sur tous les persos, il y a du cuir. C'est parce que ça donne du crit. À part Choi, il y a tout le monde. Ah non, pas Choi, ouais. Ça va être. Il faut faire super attention, ne pas lui mettre de crit. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas précisé tout à l'heure quand je l'ai dit. Mais surtout pas mettre de tocrit à Choi, il ne tocrit pas. Voilà. Tout le monde est pour. Tu vises tout en attaque, les deux attaques différentes. Attaque pour son et attaque fouette, quoi. Du perso, j'ai eu 3 armes SSR, la première épée en god, la troisième en god et le bouquin haut en god. Je dois jouer quoi? Le bouc et la plume. Réponse tiède. Ok, bah voilà, on est bon. Bah merci les gars, c'est cool. Pas de soucis. Merci à vous les frérots. De rien. Pas de soucis, de rien. Je vous laisse retourner aux occupations. On s'est retrouvé dans un goulag. Ah mais en vrai, on aurait dû faire la tier list tous ensemble dès le début en fait. Ça aurait été tellement drôle. Avec en plus avec Bike et tout, ça aurait été trop bien. Un peu plus lent aussi. Non, avec Bike et tout, ça aurait été trop bien. Ah mais nous on reste là, hein. C'est toi qui pars. Bon bah ok, je m'en vais. En plus je crois que vous êtes dans le local de guild de ma guild de Black Clover. Ouais. Ah ouais carrément. Let's go. Ok. Vas-y, je vous laisse là les gars, faut que j'aille jouer là, en plus je suis passé level 37. Merci à vous, c'était cool. On va passer dans level 37, nous. Vas-y, moi je passe au niveau 80 là. 78. Oh je suis... Personne a des invoques à faire là, ton courrier. Je t'ai travaillé hier. Ah yeah. T'arrives 20 jours trop tard là. Ouais, dommage, ok. Bon bah merci à vous quand même. Vas-y, ciao les gars. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Ok, c'est bon, je peux reprendre le contrôle de mon stream les gars. Et le bike... Non, en vrai c'était trop bien, c'était trop drôle.